Bien le bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous faites toujours bien attention aux gestes barrières, à vous protéger ainsi que vos proches. Dans ma région, depuis quelques jours, les cas sont en hausse, donc c'est un petit peu inquiétant, mais c'est vrai qu'on est un petit peu restreint avec ce couvre-feu, c'est pesant. On nous coupe un peu de plein de choses, de nos proches, de nos amis, de notre famille. Mais la forêt nous accueille et nous permet effectivement d'être plus libres sans masque. On va peut-être rencontrer des lapins, des champignons, des petits animaux qui gambadent. Donc profitez-en pour vous tourner vers la nature. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous présenter ici le petit oracle des sœurs de lumière pour la femme sage, sauvage et sacrée. Il a été fabriqué en France. Ses dimensions sont 10 sur 4, c'est des petites cartonnettes, comme j'aime les appeler. Eh bien, ce petit oracle contient 52 cartes bienveillantes et lumineuses qui répondront à toutes vos requêtes sentimentales, émotionnelles et bien plus encore. Vous recevrez une véritable guidance de la part des sœurs de lumière dans tous les domaines de votre vie, jour après jour. Posez une question, tirez une carte et laissez-la vous inspirer dans vos choix quotidiens. À travers cette création, je rends hommage à une sœur de cœur qui s'est envolée pendant la conception de cet oracle. Je suis très touchée de vous le présenter. Ça fait pas très longtemps qu'il vient d'arriver. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute été présent lors du live ou peut-être avez-vous regardé le replay où j'étais vraiment très très émue de la sortie, de la venue de mon jeu et de vos jeux. C'était mi-octobre. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre, donc c'était il y a quelques jours. Sachez aussi que quand vous ferez l'acquisition de ce jeu, eh bien, vous allez reverser 1 euro à l'association Cœur des Sables. Mon ami souffrait depuis de longues années d'un cancer et l'objectif de cette association, c'est d'améliorer le quotidien des malades soignés ou suivis pour un cancer en Alsace du Nord, en leur apportant un meilleur confort, des soins de support. L'association Cœur des Sables espère les aider à gagner contre la maladie. Donc, merci de votre soutien. Et j'ai rajouté, repose en paix, ma sœur de cœur. L'association Cœur des Sables, vous allez la trouver sur Facebook ainsi que sur Instagram. Donc, il y a 52 cartes. Il y a trois couleurs. Du rose, du violet et du taupe. Le dos des cartes est une sœur de lumière. Évidemment, les hommes peuvent également l'utiliser. Il n'y a pas de restriction de travailler votre part féminine en vous. Les messages, vous pouvez les accueillir tout aussi bien que si vous étiez une femme. Donc, je vais vous présenter quelque peu les cartes. Donc, comment les utiliser? Je l'avais expliqué sur la vidéo ou le live que j'avais fait où on avait utilisé le jeu. Donc, vous allez trouver deux mots-clés ou deux mots hein, qui donnent l'ambiance de la carte. On parle ici de bienveillance et de douceur. Ensuite, on vous donne ici, la phrase qui dit « La compréhension est un pilier fondamental à cultiver. » Et ensuite, en dessous, « Prenez soin de vous et des autres. » Donc, on a le conseil des sœurs de lumière. Mais vous, vraiment, vous allez l'utiliser comme vous le ressentez. Il y a effectivement un petit guide d'utilisation. Donc, vous pouvez utiliser cet outil comme vous le ressentez, comme ça résonne pour vous. C'est vraiment à votre convenance, d'accord?
En guidance, vous pouvez vous piger une petite carte pour connaître l'ambiance du jour ou obtenir un conseil. Et en outil prédictif, je vous invite à poser votre question mentalement, vous pouvez la noter, de piger trois cartes et de procéder à l'interprétation de votre tirage en suivant votre intuition. Car avant tout, ce jeu est intuitif. C'est une carte grise qui accompagne donc. Voilà. Donc ici, nous avons valeur et dévotion, et on nous dit que la fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur ou à votre âme. Ensuite, nous avons mise en garde et prévoyance. Supposons que vous posez la question, est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que ce soit en lien avec l'amical, le sentimental, peu importe. Face à une situation, vous vous interrogez. Vous tirez la carte mise en garde et prévoyance. Les sœurs des Lumières vous indiquent déjà ici la prudence, car la prudence est la meilleure des protections. Et ensuite, le conseil qu'on pourrait vous apporter, c'est d'utiliser votre clairvoyance pour vous protéger. Mais ici, dans cette situation, il y a déjà une mise en garde. Supposons que vous vous interrogez par rapport à un job ou quelque chose. Est-ce que je vais trouver un emploi? Est-ce que je vais avoir une mutation? Quelque chose de cet ordre-là. On vous parle ici qu'il y a un empêchement et un verrouillage. Donc pour l'instant, les choses sont plus ou moins bloquées. Ce qu'on vous invite à faire, c'est d'accepter et tout simplement de lâcher prise et ne pas brusquer les choses. On vous dit ici que l'approche est bloquée pour le moment. Donc, on vous invite à la patience. Supposons que vous vous posez la question, est-ce que avec cet homme ou cette femme, je peux me poser, est-ce qu'il y a quelque chose de stable qui peut suivre, hein? Dans votre relation, on a ici le mot bohème et indépendance. Vous comprenez ici qu'on vous parle ou qu'on vous montre du doigt que cette personne est quelqu'un qui aime être bohème, qui adore l'indépendance. Alors on peut effectivement aussi être en couple et avoir une certaine indépendance. On n'est pas nécessairement obligé de tout partager 24 heures sur 24. Mais ici, c'est quelqu'un qui aime aller au gré de ses envies, qui a besoin de respirer, de se sentir vivant ou de vibrer, hein. Et que pour cette personne, rien n'est plus précieux que la liberté. Ou a tout simplement besoin de se sentir libre, de ne pas se sentir contrôlé, surveillé. Vous comprenez les messages? Donc, voici un petit peu les messages que vous pouvez recevoir. Par exemple, ici, on parle, vous posez la question, est-ce que je me réconcilie avec mon ami? Pigez cette carte, vous comprenez qu'il y a du réconfort qui viendra à vous et une réconciliation. Et on vous parle également que vous allez vous apprêter à ressentir des palpitations dans le ventre, car les retrouvailles sont pleines d'émotions, car il y aura des retrouvailles. D'accord? Donc c'est de cette manière que vous allez pouvoir l'utiliser. Vous posez la question, est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon compagnon? Hein? On vous parle de lettres et correspondances. On vous dit, soyez ouverte au dialogue, qu'il est important de s'ouvrir au dialogue et que votre parole compte. Il ne faut pas se retenir. Parler, c'est bien, mais pourvu que la communication soit constructive, il y a parler et parler. Donc ici, l'ambiance est aux échanges. Donc on peut dire ici qu'on aura de la correspondance, des nouvelles, un SMS, un mail, un coup de fil. Et on va finir tout simplement avec honnêteté et franchise. Alors, vous vous interrogez si une situation est honnête, saine, franche, vraie, authentique. Vous pigez cette carte. On vous parle ici d'être authentique et franc avec les autres, hein, de dire les choses, mais aussi d'ouvrir la porte à la sincérité de votre cœur et de laisser s'exprimer et dire sa vérité. Donc, il y a des vérités franches qui peuvent être révélées, mais il y a aussi quelqu'un en face de vous qui est honnête et franc et qui est authentique. On parle ici de l'authenticité et la noblesse du cœur. Donc, vous comprenez qu'ici,
on est dans une situation saine. Il n'y a pas que des cartes positives, hein. Je veux quand même vous le rappeler. Par exemple, ici, bon, on parle de déception ou de malaise. Alors, il se peut que vous pigez cette carte et que soit vous êtes dans cette ambiance de malaise, une ambiance de déception, on est déçu, on est triste, on est un petit peu... on n'est pas bien. Eh bien, effectivement, on parle ici que d'être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Peut-être vas-tu être déçu face à une situation prochaine. Mais en tout cas, on t'invite, si c'est le cas déjà, de prendre le temps d'aller mieux, de te débarrasser des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. On parle du mystère et des secrets, on parle de crainte et d'inquiétude, on parle d'appréciation et de jugement, on parle d'estime de soi, d'amour propre, on parle d'action et d'initiative, on parle ici d'éveil et de pleine conscience, on parle de lien et d'union. L'engagement, c'est se lier avec une personne. Tu t'interroges par rapport à une relation, que tu piges cette carte, on t'indique tout simplement qu'il y a une relation engageante. On parle de création des naissances. Alors, une naissance peut-être d'idées, mais aussi une naissance d'un enfant ou quelque chose qui va naître. On parle d'amitié, de complicité. Tu piges cette carte, tu te poses la question, est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour moi? On t'indiquera ici que ce sera plus de l'amitié, de la complicité que de l'amour. Délivrance, guérison, amour et sentiment. Par exemple, ici, tu tombes sur cette carte, tu sauras qu'il y a quelqu'un qui a vraiment des sentiments d'amour à ton égard. Ou alors, c'est de l'amour et des sentiments que t'envoie ici le monde céleste. On parle ici d'échecs, de séparation, de remise en question et de libération, de bonheur et de prospérité, d'influence et de manipulation, de tourment et d'indécision, d'événements et de rencontres. Est-ce que je vais faire une rencontre? On a ici un événement qui peut le rendre possible. On parle ici surtout du passé. On parle ici qu'il y a un appui et du soutien, chemin de vie et développement, émotivité et sensibilité, construction et objectif, indulgence et pardon, confiance et résilience, rejet et tristesse, culpabilité, elle est tombée, et humiliation, frustration et injustice, abandon et vide intérieur, trahison et méfiance, auto-sabotage et comportement, découragement et fatigue, blocage familial et emprise familiale, blocage matériel et financier, blocage psychologique et mental, acceptation et compromis, changeante et versatile, des personnes, peut-être une situation, dépendance et soumission, désir et sexualité, connexion et empathie, devoir et responsabilité, envie et tentation, introverti et réservé, force et volonté. Et voici toutes les cartes que je vous ai déjà présentées. On va piger une petite carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous aimez moins ou moyennement ou pas du tout. Pas de problème. 2, 3 cartes sont tombées. Bon, merci les sœurs de lumière. N'oubliez pas de les remercier après vos tirages. La première carte, donc c'était 1, 2, 3. Vous me direz si ça vous parle. Première carte. Vous pouvez peut-être choisir une des trois ou vous pouvez accueillir les trois, comme vous voulez. On parle d'influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Regardez bien l'illustration, des petites illustrations qui vous aideront également à comprendre. Si actuellement vous avez des consciences d'être manipulé, on vous invite de vous éloigner. Il y a une manipulation, une influence négative et néfaste
Donc, c'est important hein, de s'éloigner. Deuxième carte. Peut-être c'est toi qui as choisi cette carte. On parle d'événements et de rencontres. On t'invite à rester ouverte ou ouvert au champ des possibles, en restant prêt ou prête à recevoir. Les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. Il y a peut-être effectivement ici des rencontres, une rencontre qui peut, ou peut-être lors d'un événement, qui peut, pardon, donc reste ouvert, ouverte. Hein. Et la troisième. Tourment et indécision. Peut-être qu'actuellement tu es indécis ou peut-être quelqu'un est indécis par rapport à toi. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Là, on est tourmenté parce qu'on ne décide pas, on ne choisit pas, on n'a pas pris de décision. Donc, si tu es indécise, concentre-toi sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà mes petites lumières. J'espère que cette petite courte présentation de l'oracle des sœurs de lumière vous aura plu ainsi que le tirage vous aura parlé. Vous pouvez retrouver donc cet oracle dans ma boutique Etsy en ligne comme toutes mes autres créations. Je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt.